Il y a deux ou trois éléments clés, enfin, j'ai toujours l'impression de radoter un petit peu, mais pour moi ils sont tellement importants qu'ils me semblent à moi évidents, alors je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Le premier, c'est si tu es un retailer, il faut que tu embarques le réseau avec toi, enfin, okay, clairement. Donc faut prendre le temps, faut pas l'imposer, il faut expliquer pourquoi c'est pas une menace mais une opportunité. Faut proposer des solutions, il faut vraiment expliquer que ça permet d'apporter des outils et ça permet d'aider le vendeur parce que dans un point de vente, alors nous chaque année on va en point de vente, tu vas vivre la vie du magasin, bah c'est pas facile, tu es super sollicité toute la journée par les clients ils sont super informés, des fois ils sont plus informés que toi parce qu'ils ont déjà été sur 50 sites, enfin tu vois. Et donc nous faut vraiment qu'on, je pense, le premier conseil c'est vraiment de sortir un peu de sa tour d'ivoire parce que le digital en ce moment c'est super sexy et tout le monde en demande et dire bon bah voilà Internet aujourd'hui bah, c'est un outil qui permet de faire plein de choses super en magasin qui vont aider nos clients et on vous les explique. Ça c'est la première chose. La deuxième chose et je pense que c'est un truc qu'on partageait avec les deux autres collègues, on est anti effet waouh. Clairement la première question qu'il faut se poser c'est l'usage. C'est super de mettre des écrans qui brillent et tout, alors c'est vrai que ça habille le magasin, mais mine de rien, au bout d'un moment, si personne n'est devant, moi je trouve ça triste, donc je trouve que finalement l'objectif est carrément pas atteint, c'est même le contraire. Donc l'usage est super important. Et le troisième élément, c'est d'être hyper pragmatique en fait. Enfin, moi, je pense et je partageais ça avec mes deux autres collègues ce matin et avec Mickaël aussi. La techno, elle doit être au service de l'objectif et c'est pas une fin en soi, en fait. Et ça, c'est un méga geek qui vous le dit. Voilà, les technologies aujourd'hui, elles permettent de faire des choses extraordinaires. Hein. Je crois que les voitures qui se conduisent toutes seules, ça a été autorisé en Californie il y a quelques jours. Enfin, c'est génial, une voiture qui se conduit toute seule. Bon, bah maintenant. Sorti de l'effet un peu neuf et waouh de la techno, faut vraiment tout le temps, à mon avis, se repositionner sur qu'est-ce qu'on va apporter à nos clients, en fait. Voilà, donc les trois conseils, c'est ça, c'est communiquer, pédagogie, évangélisation. Ça, c'est hyper important. Toujours se poser la question de ce que ça apporte aux clients, toujours. Et trois, ne pas se laisser aveugler par des technologies qui font des choses extraordinaires, mais qui vont être utilisées à 10% sur le point de vente.